Shalom à tous, bonjour. Je continue la lecture biblique de la parole de Dieu, oui, du psaume et du proverbe. En ce jour, c'est le numéro 129. Et dans la Chouraki, le titre, c'est « Ils m'ont fort opprimé ». Poème des montées. Ils m'ont fort opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise donc. Ils m'ont fort opprimé dès ma jeunesse, mais ils n'ont rien pu contre moi. Sur mon dos, les laboureurs ont labouré. Ils y ont prolongé leur sillon. Yahuwah le juste a rompu les entraves des criminels. Ils blêmissent, ils reculent en arrière, tous les haineux de Sion. Ils sont comme le pâturin des toits, sec avant d'être fauché. Il n'en remplit pas sa pomme, le moissonneur, ni son giron, le gerbeur. Les passants ne disent pas « À vous la bénédiction de Yahuwah !» Nous vous bénissons au nom de Yahuwah. Et c'est la fin. Il n'y a que 8 versets. Et je vais répéter. Coucou Elia. Donc le psaume 129, chant des pèlerinages. On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. Qu'Israël répète, on m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse, mais on n'a pas pu en finir avec moi. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Mais le Seigneur est fidèle. Il a tranché les liens que les méchants nous avaient imposés. Honte à tous les ennemis de Sion. J'ai pris du lait. Ouais. Qu'ils rebroussent chemin tous. Qu'ils aient le sort de l'herbe des toits, desséché avant qu'on l'arrache. Celui qui la coupe n'en saisit pas même une poignée. Celui qui la ramasse ne peut en faire une brassée. Et les passants ne leur disent pas que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Et le proverbe, chapitre 29, toujours. Et c'est la suite et fin du proverbe 29. Ah, tu fais la vidéo, je n'avais pas vu. Ouais, versets 26 et 27. Plusieurs recherchent la face de celui qui domine, mais c'est de Yahuwah que vient le jugement qu'on donne touchant quelqu'un. L'homme inique est en abomination au juste, et celui qui va droit est en abomination au méchant. Eh bien oui, et je répète, et je compare. Donc le Proverbe chapitre 29, versets 26 et 27, les deux derniers. Beaucoup de gens recherchent l'approbation de leur chef. Pourtant, c'est le Seigneur qui juge chacun. Amen. Les justes détestent les gens malhonnêtes. Et les méchants détestent la conduite des hommes droits. Bien oui. À l'opposé, tout comme ce verset, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et à l'inverse, c'était la réunion de prière. D'envoyer un message. Ah ouais. Aujourd'hui, ouais, j'étais en travaux avec mon chéri parce qu'il avait le jour de repos et bien continuer la chambre à mamie. La saphir derrière. Ouh, elle est belle la saphir. Allez, on va prier. Prions, louons le Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Je commande à mon âme. Oui, mon âme. Oh, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, c'est toi encore, ce matin, qui a pourvu à ma vie, qui a fait que mon cœur bat, qui a fait que je respire, que je vois, que j'entends, que je parle, que tout mon corps entier fonctionne correctement, que tu as renouvelé la vie aussi en mon mari, en Elia. Merci, Abba. Merci pour cette journée de travail pour nous-mêmes. C'est bien de travailler pour nous-mêmes. Merci Abba de nous avoir fait grâce, de nous avoir donné des forces. Merci de nous garder maintenant sur la route en voiture, l'aller, le retour. Oui, merci de bénir cette fin de journée. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci encore pour ta parole, pour toutes tes promesses qui sont dans ta parole. Oui, tout ce qui est écrit s'accomplira. C'est toi qui es le grand Je suis, l'Éternel, vivant, puissant, qui n'a pas dit son dernier mot. Oui, tu as la possibilité de tout faire, Seigneur, mais tu nous donnes, tu nous
permet de travailler avec toi. Combien je prie que nous puissions être ses disciples, disciplinés, et qu'on ait à cœur le royaume des cieux, le royaume de lumière. Oh, oui. Putain, je fais comme si j'allais au travail. Ah mince, c'est trop l'habitude d'aller travailler. Ah, donc tu passes par en haut. Ouais. Là, j'ai enregistré cette fois. Ah Seigneur, merci de nous faire participer, oui, que nous ayons toujours à cœur le salut des âmes, Père éternel. Quand nous croisons quelqu'un, quand nous parlons à quelqu'un, nous pouvons pas des fois, nous pouvons pas parler, mais nous pouvons toujours à notre cœur prier pour cette personne. Par le souffle saint, que tu agisses en elle. Oui, Seigneur, que tu nous donnes des occasions pour parler, pour manifester ta personne qui est merveilleuse. Toi, l'amour parfait. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à patienter comme toi tu patientes. Apprends-nous, Seigneur, à être comme toi, lent à la colère et riche en bonté. Oui, tu es plein de miséricorde. Oui, nous savons que tu es à la fois ce Elohim d'amour et celui qui est saint et juste. Seigneur, tu ne tolères pas le péché. Que nous puissions pas faire amis avec le péché, que nous sachions combattre contre le péché, que nous puissions aimer ce que tu aimes et détester ce que tu détestes. Regarde dans nos vies, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire. Regarde et montre-nous notre erreur, notre péché, notre souillure, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Père. Merci, Seigneur, de nous révéler aussi nos manquements, Seigneur, que nous puissions agir, faire comme toi tu le veux. Délivre-nous du mal. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Amen. Nous savons qu'il y a dehors un ennemi et il combat nos âmes. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à lutter fermement. Ta parole nous dit bien que si vous êtes soumis à Elohim, l'ennemi, le diable, fuira loin de vous. Alléluia. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous. Oh, tu fais, c'est vrai, nous pouvons faire quelques petits pas, mais toi, tu en fais bien davantage, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait, comme je le dis et je le redis, tu es toujours en action. Merci Père. Ouvre nos yeux spirituellement, que nous puissions voir combien sont plus nombreux ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous. Que nous puissions toujours dire face à nos problèmes que nous avons un grand Elohim. Oui, les problèmes, oui, on peut dire ils sont grands, mais nous avons un Elohim plus grand que nos problèmes. Merci Abba, merci Père. Merci de nous avoir donné ton Fils unique, notre Messie, notre Mashiach. C'est lui qui nous a sauvés, gracié par ce sang précieux qui a coulé, qui a pris, oui, notre punition. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché, sont privés de la gloire d'Elohim. Que nous ne puissions pas nous enorgueillir de tout ce que nous pouvons être aujourd'hui. Parce que nous avons tous été un jour loin de toi, Seigneur, et nous devons encore avancer dans la sanctification. Merci de nous aider, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Je te bénis, je te loue, Père, et je te rends grâce. Mes mots sont trop petits, et merci à toi. Gloire à toi, que ton règne vienne. Amen. Soyez bénis. Oui, toi aussi tu vas dire soyez bénis. Oui. Bisous. Bonne fin de journée. À demain.